Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la carrière de joueur. Donc, on est à Sochaux, 68 de général. Pour l'instant, on a mis 7 buts et fait 6 passes décisives. Du coup, c'est vraiment pas mal. On a un match contre Tours. On va aller voir le classement déjà. Donc, Tours qui ils sont 8e. On est toujours premier. On a 10 points d'avance sur Auxerre. Donc, on a vraiment creusé l'écart là. Prend une bonne option sur le titre déjà, alors qu'on est qu'à 17 journées. C'est vrai que pour l'instant on fait vraiment une très bonne saison. On va aller voir le programme de la vidéo. Donc on a le match contre Tours, un match contre Auxerre justement, et un match contre le Stade Lavallois, peut-être un match contre le Havre, et après ce sera le Mercato. Donc on va aller faire le match contre Tours. On joue à l'extérieur. On va jouer en jaune parce que je pense. Ah, quoique, on va jouer en blanc. On va leur mettre leur maillot avec McDo. L'équipe qui est en plutôt bonne forme. Hein. C'est parti pour le match. Victoire 6 à 0, on a été en feu, 4 buts, une passe clé, pas de passe décisive, donc on a mis 4 buts, le joueur qui nous a remplacé, enfin je crois que c'est celui qui nous a remplacé, on a mis 2, ah non c'est pas 6 à 0, 7 à 0 carrément, c'est même pas moi l'homme du match, ok, dû faire 2 passes décisives, Gerber 2 passes décisives aussi, Habran une passe décisive et Ilarimaharitra, deux passes décisives, 4 buts pour nous, donc 2 buts pour Toko Ekambi, 1 but pour Lopi de la tête. Donc on peut voir que les notes sont extrêmement bonnes. Dans notre équipe, il n'y a aucun joueur qui est en dessous de 7. Quand même un truc de ouf. Même notre gardien a une bonne note. De leur côté, oula. Bon, leur défense, elle a des notes dégueu.
Leur milieu aussi. Leur meilleure note, c'est 6,7. Donc on les a détruits 7 à 0. On a fait un très bon match. 14 tirs, 10 cadrés. Eux, ils n'ont fait que un tir cadré. Sinon, Auxerre qui fait 0-0 une nouvelle fois. Auxerre, ils sont plus très bons là en ce moment. Ils n'arrivent plus à gagner. Du coup, on prend encore 2 points en plus sur eux. On a 12 points d'avance, je crois. 12 points d'avance sur les deuxièmes après seulement 18 matchs. Ouais. Et donc, on a bien boosté nos stats. Hein. Avant ça, on était à 7 buts, 6 passes décisives. Maintenant, on est à 11 buts, 6 passes décisives. Alors, donc, le prochain match. Là, je pense que ça doit être la trêve internationale. Je ne sais pas. Donc, prochain match contre Auxerre. Ils sont pas très bons en ce moment. Faut aller les battre. Florian Béranguet. Ah merde, Béranguet qui s'est blessé. Donc, on va jouer à domicile contre Auxerre. Je pense pas qu'ils ont des maillots qui nous ressemblent. On va lui faire jouer en blanc. L'équipe qui est en excellente forme. C'est parti pour le match contre Auxerre. Plutôt moyen, on a gagné 2-0, on a mis un but bizarre, un truc de high kick comme ça, c'est gros karaté. Donc l'important c'est qu'on prenne les 3 points contre les deuxièmes. Du coup je pense qu'ils sont plus deuxièmes parce que quand même ça fait quelques matchs qu'ils perdent et qu'ils font pas des bons résultats. Donc 0 tir pour eux, l'homme du match est Lopi, il a nouveau mis un but en plus. 8,1 notes pour lui, nous on n'a pas été vraiment bon, 6,7. Les notes sont pas excellentes, il y a quelques bonnes notes, sinon c'est pas ouf. De leur côté, ils sont pris un carton rouge très tôt. C'est un peu sévère, je trouve, quand même. Carton rouge dès la première minute. Donc ça a vraiment facilité les choses après. Donc on gagne 2-0 contre Auxerre à domicile. C'est ce que je disais, ils sont fait rattraper là. Oula, le classement est très serré. Brest est passé devant grâce au goal average, je pense. Ouais. Mais on voit quand même que. Waouh. Il y a beaucoup d'équipes avec le même nombre de points. Tour qui est 8ème en une victoire. S'ils ont un bon goal average, ils peuvent passer 2ème. Donc ils sont tous très serrés en termes de points. Prochain match, c'est contre je ne sais plus qui. Ah oui, des Stades Lavallois. Donc pour l'instant, on est vraiment bien dans cette saison. Hein. 12 buts, 6 passes décisives, c'est vraiment excellent pour notre première saison. Bon, ok, on joue en Ligue 2, du coup, les équipes sont moins fortes, mais quand même, c'est vraiment pas mal. Alors on va jouer en jaune, on va les mettre en orange. On joue à domicile contre le Stade Lavallois, c'est parti. Thank you.
2-0. On a mis un but et fait une passe décisive, c'est pas mal. Sinon, il y a eu deux buts qui ont été faits par des pénaltys. Bon, il a dû tirer et après retirer pour la mettre. Mais sinon, l'autre, c'était à la fin. Je sais pas s'il y avait vraiment pénalty. Je connais pas trop. J'aurais peut-être mis. Je pense que j'aurais pas mis pénalty. C'est sévère une nouvelle fois. Bon, sinon, on a la meilleure note du match. Je pense qu'on est homme du match. Oui, 8,7. C'est excellent. Sinon, Toko Ekambi, 7,4. C'est pas mal. Il y a des notes pas mal et des notes moins bonnes. L'important, c'est comme d'hab, on gagne. 9 tirs cadrés, non, 9 tirs 6 cadrés, 0 pour Laval. Donc on voit qu'on les a largement dominés, ils ne nous ont pas du tout inquiétés. Et une nouvelle fois, Auxerre qui fait égalité. Hein, ça doit faire 6 ou 7 matchs qu'ils ont plus gagné, c'est un truc de fou. Hein. Au début, ils étaient encore à égalité avec nous en points et maintenant ils ont complètement craqué. On va aller voir ce qu'on a fait durant toute cette carrière pour tous les matchs. Donc 15 matchs joués, 13 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Hein. 13 buts, 7 passes décisives, donc c'est vraiment génial. Donc on va juste aller voir les stats en Ligue 2. On n'est toujours pas meilleur buteur, on est à égalité. On est revenu à égalité avec le meilleur buteur. 13 buts. Et en passe décisive, on est 3ème. Donc là, je crois qu'on s'est fait rattraper. Ah non, on était à égalité en passe décisive, je me rappelle. Du coup, ça va, on a un peu creusé l'écart. Dans la prochaine vidéo, on aura un match contre le Havre. On sera ensuite dans la période de transfert. On aura un match contre Angers, un match contre Auxerre une nouvelle fois. Et peut-être un match contre Dijon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un j'aime si ça vous a plu. Salut !